Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.0. Donc, alors, nous allons retourner, je pense, sur... Hop, voilà, j'ai mis l'autre poste ou j'ai mis quoi? J'ai pas fait gaffe. Oh, le brain fart que j'ai eu, j'ai cliqué. Oui, d'accord, bon, je me suis complètement planté, c'est pas grave. Hop, on évite que l'oiseau vienne nous attaquer, enfin l'oiseau si on peut appeler ça comme ça. Dommage qu'il n'y ait pas un système de la même manière que No Man's Sky pour analyser chaque créature et leur donner un nom, ça pourrait être sympa. Mais enfin bon. Donc, on est ici, c'est bon, on peut se permettre de descendre maintenant. Hop. Donc on avait amélioré légèrement nos stations de craft. Enfin, certaines de nos stations de craft. Avant de nous quitter dans le précédent épisode, je pense, de mémoire. Hein. Donc maintenant, on rend les indices, entre guillemets, on complète la quête des indices. Et donc... Tu l'as fait. C'était le dernier indice dont nous avions besoin. Je sais maintenant où est l'artefact Floran. D'accord. On reçoit un mysterious bag, donc on va l'ouvrir tout de suite, hein, on verra bien ce qu'il y a dedans. Téléporteur corps, d'accord. Pas si bien que ce que j'imaginais. Fetch de Floran, donc Fetch, je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est choper l'artefact Floran. Les indices que tu as collectés révèlent que l'artefact Floran est coincé dans la cérémonie de chasse, dans les cavernes de la cérémonie de chasse. À en juger par ce que j'ai pu trouver, tu auras besoin de te mesurer au rituel de chasse pour l'avoir. J'ai donné à Sail les coordonnées dont tu as besoin, soit fais gaffe à toi, mon cher. D'accord, donc on a une autre mission. Le problème, c'est qu'on est encore loin de ces missions-là. Je veux dire, on n'a pas encore l'équipement pour. Enfin bon. J'ai reçu les coordonnées de la cérémonie de chasse. Des cavernes de la cérémonie de chasse. Utilise l'interface de mission pour aller à cet endroit. D'accord, mais on n'y est pas encore. On a même pas l'armure qu'il faut ni rien. Bon, bah j'imagine que là, on est un petit peu plus libre que prévu, hein, tout simplement. J'aimerais du coup me rendre ici. Hop, on va aller voir vite fait s'ils vendent des trucs au niveau des vaisseaux, parce que là, je commence à avoir des doutes hein, sur tout ça. Apparemment non, hein. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on va se déplacer, on va aller sur la lune, et puis on va essayer de choper, maintenant qu'on a le EPP, là. On va essayer d'aller choper quelque chose sur la lune, je pense. Comme nous en avons parlé, je vais garder quand même un maximum de bouquins, hein. On va parler dans les commentaires. Je vais quand même les garder, les bouquins. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner, si j'ai vraiment une bonne raison de les garder ou pas. Pour le reste, là, on est bon. Là, il faudrait que je range tout ça aussi. Là, j'ai des trucs extrêmement rares que j'aimerais garder. Hop. On va mettre tout ça, c'est pas grave. Ah, le laser, j'ai pas vu qu'il était en vert maintenant. C'est cool. Ok. Hop, 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 hop. C'est quoi ça? Silk, d'accord. L'argent, il veut pas le prendre, d'accord. Donc comme j'ai dit, je récupérerai tout ça, puis je mettrai tout ça au même endroit, hein, pour l'instant en tout cas. Hop. Ok. Hop. Voilà. Ok. Niveau bouffe, maintenant. Il me semble qu'on était un peu short. Si on peut cuire le poulet, ce serait cool. Ah, oh, si ça pouvait se cuire aussi vite en vrai, le poulet. Enfin bon. Hop, ça c'est fait. Crac. Et donc, j'ai dit qu'on allait sur la lune à côté. J'imagine qu'on a un autre à faire de ce côté-là, de toute façon. Non, on n'a pas les matériaux en question. Foraging table, on pourrait le faire, remarque. Mais j'ai pas la place pour le faire. Ça, le truc. J'ai pas la place pour le faire. Ça, le véritable problème. Sur le vaisseau, actuellement, j'ai pas la place. Donc écoutez, on va aller sur la lune. Apparemment, elle est abondante en... en carburant, tout simplement. Hein. Donc on va y aller. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je regarde l'heure qu'il est pour savoir à peu près la durée de l'épisode. Hop. On va quand même re-s'asseoir un petit peu sur la chaise. On ira bien à peu près... on verra bien à peu près ce qu'il y a sur cette planète. Enfin, sur cet astre, plutôt. Alors. Est-ce qu'on a le droit de le voir? Voilà. Et donc on trouvera principalement que des Crystal Lyrcus.
avec des pluies lumineuses et des chutes de petites météorites. D'accord. Bon. On descend. Et on va récupérer un petit peu de carburant. Oh. Ah bah le carburant a changé de forme apparemment. Cool. Donc plus je vais récolter de fuel, plus... Enfin, j'ai détecté des entités qui sont attirées par... par les... Comment les... Les dépôts de d'Hercus. Donc l'intérêt qu'elles ont pour toi grandira à mesure que tu récolteras de plus en plus de fuel. Ces entités sont mortelles. Je salue ta capacité à ne pas avoir peur. Ton sang-froid. On va appeler ça le sang-froid. Donc apparemment, on est dans la merde. Donc il va y avoir un intérêt certain à aller chercher tout ça très rapidement, je pense. Cette bestiole est vraiment dangereuse, ça vaudra presque le coup de s'enfuir, je pense. On avait vu une petite preview donc sur le... Ok, il y a aussi le liquide, d'accord. Oh putain! D'accord. Ah oui, ça fait pas dans le dans la gnognotte. Ok, donc il y a une grosse bestiole. Ah oui, en plus j'ai le... Qu'est-ce que... En plus je crache du liquide, d'accord. Ok. Enfin, des espèces de... Ah d'accord, elles aspirent quelque chose. Je suis effrayé apparemment. D'accord. Mais elles aspirent quoi? Elles aspirent pas les trucs que je récupère quand même. Hop. Non, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Ce serait complètement pute. D'aspirer ce que je récupère. Ce serait dégueulasse, ce serait contre-productif. Hop. Voilà. Ah mais j'ai encore le double saut. Bah merde. Comment se fait-il que j'ai encore le double saut? Ah ça me garde le... Le double saut. Ce serait épique. Expliquez-moi dans les commentaires ça, chers amis, ça m'intéresse. Parce que si ça me garde le double saut en plus du... Du comment, du wall, du fait de glisser sur les murs, c'est génial. Hein. Honnêtement. J'imagine que plus j'en récupère, plus elle se déplace vite, ou un truc dans le genre. Mais sous quelle quantité les dépôts d'Hercus sont-ils plus intéressants? Je veux dire, quel est le rapport entre le minerai? Ah, elle doit s'approcher parce que... Non, ça doit être le bruit du truc quand je glisse en fait. J'ai rien dit. Parce que en fait voilà, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que le liquide est-il plus valuable que le minéral, que le minerai. C'est ça le truc en fait. Parce que là je sais pas du tout du coup ce que je récupère au niveau quantité de carburant. J'imagine que c'est petit hein. Putain elle est là. Vache. Sale bête. Regardez ça. Et donc elle est intuable, c'est ça? Ça le principe, non? Eh viens voir papa. Viens voir papa. Viens voir papa. Allez. Ok. Elle est intuable pour le moment, en tout cas. C'est bon à savoir. Hop. Question. Si... Oh. Grosse quantité. Si je saute sur un mur, est-ce que j'ai le droit à un deuxième double jump ou pas? Ça, c'est intéressant comme question. Hop.
pense qu'on va récupérer ça et on va pas tarder à se tirer. On est à combien de petits cailloux? 107. Mais je sais pas à quoi ça correspond du tout en... Bon, on va voir. On remonte. On va voir. Je sais pas du tout à quoi ça correspond en matière de... On va dire de quantité. Donc là, apparemment, ça se crafte pas ici. Là non plus. Là non plus. Carburant. D'accord, c'est x2. Eh ben, on n'est pas rendu. On m'avait dit que les crews vont pouvoir modifier tout ça. Bah écoutez, je l'espère, parce que si c'est de la petite chasse comme ça, la mort moelle-neuve, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire du tout. Bon. Maintenant que nous avons fait ça, est-ce qu'il y a d'autres planètes dans le système qui sont intéressantes à nos yeux? De l'or, du tungstène. Donc ça change pas. Tungstène, or. Pas de tungstène. D'accord. Si on allait sur celle qui est à côté. Tungstène or. Ok. Donc les gentle, ok, ça c'est bon. Temperate. Qu'est-ce qu'on a là? Oceans, et on a par contre du truc en plus. Ok. On va plutôt se diriger vers cette, ce système là. There is the air bouncing around. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, on va essayer d'aller là. On verra bien. Hop, on prend des risques. On prend des risques, chers amis. Voilà, c'est fou. Mais c'est comme ça. On va prendre un petit peu de risque et on verra bien si ils valent le coup ou pas. Hop, il faut un poulet et un steak pour avoir suffisamment de bouffe. C'est chaud. J'aurais rajouté un bouton pour trier aussi, ici. Ça serait vraiment bien. Mais bon. On va dans une planète de type désert, du coup je mettrais bien un petit truc comme ça. Avec un petit truc comme ça, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop! Bon. Ils ont un petit peu chié avec les pieds, je trouve, de cette tenue-là. Enfin, je trouve, c'est mon avis. Je trouve, mais enfin, pas de cette tenue, mais cette position-là. Regardez, les pieds, ils sont pas bons. On a l'impression qu'ils ont fait un mélange de deux des anciennes poses, si je puis dire. Alors, on y va, on descend. Attention, ça devrait être un peu plus dur ici. Ce qui ferait qu'on devrait normalement trouver un peu de meilleurs, en tout cas, de meilleurs équipements. Ah, bon, déjà, ça met dans l'ambiance, on trouve de l'huile. Ok. Parfait. Fait toujours un petit peu d'huile, hein, c'est toujours intéressant à trouver. Par contre, on va pas passer par là parce que du coup, s'il y a trop d'huile, on va pas avancer. Hop. C'est bien si on va trouver aussi des fruits de ce genre. Donc du coup, ça va nous rapporter un petit peu de bouffe. Hop. Ah, joli. Hop. Je rappelle que ceux-là, sur la planète précédente, on faisait deux coups pour les abattre. Maintenant, un seul suffit. Enfin, on mettait un coup, pardon, avant sur les abattre, pour les abattre, et maintenant deux coups sont nécessaires. On va parler comme il faut. Oula. Ah oui, mais il faut que je remette aussi ma lumière. Ici, j'ai pas besoin de bref. Alors. Ici. Crac. Voilà. Du coup, on va pouvoir récupérer un petit peu de lumière. Ah, il faut que je pense à ça aussi. Aïe, je pensais pas qu'il se réveillerait aussi vite. Ah là là. Ah là là. Hop. Dégage. Réflexe. Boum. Hop, ça c'est fait. Dégage. Par contre, si on se fait mouiller à cause de la flotte, c'est ça en plus. Ok, bon. Du coup, crac, on a une régène passive. Boum, voilà, ça prendra. Ardennette Carapace, c'est cool. Alors, tempête de vent. Ah, j'y avais, mais il faut que j'arrive à le toucher. D'accord, donc ça ne fait pas le... D'accord.
Bah ça c'est bon à savoir, hein. Hop. Hop, ça c'était mauvais. C'est mieux. Dommage, ça resette pas le double saut, ça aurait été cool. Ça aurait été carrément cool même. Mais bon, c'est comme ça, je présume. Alors, il va falloir qu'on trouve de quoi améliorer notre matter manipulator. C'est une véritable nécessité. Dégage. Non, j'ai interdit de me toucher. Voilà, bon. On s'en sort pas si mal, cela dit, hein. Hop, on se retrouve là-bas. Mince, je me fais toucher bêtement. Hop, il m'a touché. Ah non, c'est le sol. C'est l'impact avec le sol qui m'a fait du mal. Vraiment que je teste si... Oula, il y a un camp là-bas. Ah, à chaque fois, je me fais... Il y a un camp. Personne? Quel dommage. Quel dommage. Bon, la double régène fait qu'on gagne un peu plus vite de la santé, mais bon, c'est pas magique. Hein. C'est vraiment pas magique. Mais bon, ça va être fait bientôt. Hop, c'est bon. Donc apparemment, il y a certains... Comment qu'ils s'appellent certains... lit entre guillemets, certaines capacités, enfin c'est un objet d'objet de sommeil qui rapporte un peu, un diamant d'accord, qui rapporte un peu plus de santé par seconde. Faudrait trouver lesquels, faudrait que je trouve un truc pour savoir lequel et comment et etc, mais j'ai pas encore trouvé ça sur internet. Du coup je ne sais pas encore trop quoi mettre comme lit. Cependant j'ai ma petite idée de ce que je pourrais faire. Par contre il faudra vraiment que je le teste avant de pouvoir vous dire si c'est efficace ou pas. Là y a rien, dans la toiture y a rien non plus. Ok. C'est compliqué, au final ça m'aide pas plus que ça ce double saut. A la base j'avais pris juste pour m'empêcher de prendre des dégâts de chute, mais j'ai pas pu vraiment tester si oui ou non je m'en prends. Non, raté. C'est plus un problème qu'autre chose finalement. Alors. C'est parce que je le maîtrise pas, j'imagine. Ouais, c'est parce que je le maîtrise pas, mais je me prends des dégâts bêtement. Et ça, c'est un véritable problème. Ah, et encore, hein. Ah là là. C'est la chienlit, comme on dit. Hop. Et je crois que j'ai fait de la merde en plus, c'est génial. Allez, creuse. Hop. Ah putain. Hop, voilà. Tout ça pour ça. Oh là là. Il se trouve, il n'y a rien à cette planète, hein. Je précise, hein, mais. Il se trouve, il va falloir que je creuse simplement et que, en fait, on va rien trouver sur la surface, hein. C'est possible, hein. Tout est possible, tout est réalisable. Une carotte. Je crois que c'est ma première carotte du jeu. Voilà, c'est ma première carotte. Hop. Je casserai toujours ce truc là maintenant parce que vu ce qu'on y trouve, honnêtement. Oh. Il y a un truc dans l'eau, non? Aha! Je l'avais dit. Et vous savez quoi? Regardez. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Hop les. Voilà. Et donc là, je peux récupérer une tonne d'eau magique. Et je vais commencer à me faire des potions d'eau magique. Chose que je n'avais pas fait dans les précédentes je peux l'ouvrir de là, cool. D'accord. Ok, ok, et ok. Parfait, bon bah écoutez, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je vais remettre en place aussi, vu que pour l'instant je n'ai pas de nouvelles pour les serveurs et que j'aurais besoin de votre avis et j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu en serveur, qui saurait me dire si oui ou non certains serveurs sont valuables. Parce que vu le prix qui coûte, je veux pas me planter quoi, en fait, simplement. Vu le prix qui coûte, je ne veux pas me planter. Oh, c'est sympa là, le truc derrière. Alors, je voudrais savoir si ça me rapporte des fibres en fait. Eh ben non. Ok, donc. Ah,
Hop, on attend que ça recharge. Voilà, merci d'être passé. Donc ça ne me rapporte pas. Il doit y avoir quelque chose dans le fond de l'eau, non? Même pas? Oh, je suis vexé. Par contre, il doit y avoir du coup un moyen d'avoir une grosse quantité de... d'eau magique. Regardez-moi ça, comment ça se propage. Si c'est pas beau. Églou, 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 moi. Faites que j'arrive encore à remonter. Hop. Par contre, ça risque d'être short niveau. Hop. Est-ce que ça va être bon là ou pas? Non. Hop. C'est bon. Bah, dis donc, là je pense que je ne fais plus d'un stack. Et si c'est le cas, je vais virer ce stack là. Hop, ce qui me permet de pouvoir remonter en fait. Voilà. Il n'y a pas du tout de fibres là-dedans, c'est dommage. Du café? Non, du chocolat. Dommage. Dommage, dommage. Oh, des glitches. Yo! Bonjour. Vous allez bien? Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré des glitches. D'accord. Ce qui fait qu'on va devoir passer beaucoup de temps à faire du... Codex already known, d'accord. J'aimerais lire vos différents bouquins, si ça ne vous dérange pas, messieurs les glitchs, messieurs dames les glitchs. Le 2, j'ai déjà lu. Alors apparemment, si je le fais trop, ils vont commencer à réagir. Si je les pille un peu trop, mais je crois que c'est en destruction de leur matériel. Il n'y a rien de vert, donc je me dis qu'en fait la quête elle est peut-être pas activée. Je me dis que la quête elle est peut-être pas activée. 1, 2, je les ai. Lui, je l'ai. Ok, là ça me met juste derrière le truc. Ah, ça je l'ai pas. Hop. 1, 2, 1, 1, d'accord. Ok. C'est quand même pas des arbres à coton. Excusez-moi, j'ai besoin de m'en assurer, chers amis, mais... Si c'est le cas, ça serait épique. Non, c'est bon. Là, y a rien d'intéressant pour moi, sauf si peut-être... Et ici, donc, est-ce qu'ils font autre chose que ce que je fais moi? Non, effectivement, non. Ils ne font pas autre chose. Donc, apparemment, je n'ai pas l'intérêt pour les... D'accord. Pour les différents objets encore... des glitches. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Une... comment ils appellent ça? Une buffalo? C'est cool, ça. C'est très très cool. Par contre, il y a moins de coffres que ce qu'il y avait avant. Avant, il y avait plein de coffres, dans les villages. Ah, un coffre. J'ai rien dit. 27 Energy Wave. Ah bah, c'est cool, ça. Hop. Et un petit peu de titanium, génial. On va pas laisser s'échapper les poules. Ce serait bête. Hop. Toujours pas de coffre? Non. Bah, écoute. Tant pis, hein. Commence à me dire que je devrais pas les prendre apparemment. Ah oui, c'est vrai, ça stack pas. Ah, je suis stupide. Je suis stupide, sauf s'il y a un truc à bouffe ici. Forcément non. Ça stack pas, je suis débile. Je suis débile. Bon, on verra ça une autre fois, c'est pas grave. Y a-t-il un vendeur dans le coin?
Ok, ça je prends un sniper. Énergie bombe 13. Ah. Il a pas l'air plus puissant que le mien en fait, ça le truc. Des haches de lancer, ça c'est cool. Bon, j'aimerais bien trouver et le vendeur et le... Oh, de quoi me soigner, ça c'est cool par contre. Je trouve de quoi me soigner en quantité, ça c'est vraiment cool. Ici, d'accord. Ici, ok. C'est pas mieux, d'accord. Ok, ici, rien. Ici, rien. Hop. Toujours rien. Ah, donc lui, c'est le vendeur. 75 en dégâts. Donc il est mieux que le mien. Il vaut 3600. J'ai 6000. Ah, c'est tentant. Honnêtement, c'est tentant. 30%, celles-ci font 20. D'accord. Ça coûte cher tout ça aussi. Ça coûte extrêmement cher tout ça. Allez, on craque. Hop, j'achète les deux. J'ai craqué. Ce qui va me faire une armure plus performante que celle que je suis censé avoir à mon niveau. Bonjour. Ah, c'est pas toi qui avais une quête, c'est lui. Ah ouais, non mais c'est chiant de devoir donner des secrets comme ça, même si c'était juste à côté, remarque. Ah, donner des trucs secrets, je suis pas leur... C'est les quêtes les plus débiles, je trouve, ça. Je suis pas leur messager, hein. Encore que à cette époque-là, ça me dérangerait pas d'être un messager entre guillemets, parce que pour eux les messagers, c'était, enfin, c'était logique qu'il y en avait quoi à l'époque. Pour moi, ça me semble logique qu'il y en avait parce que voilà, c'est toujours comme ça quand on voit de l'amour entre deux personnes dans un film un petit peu médiéval, ils s'envoyaient des messages par messager justement et toc. Bon, là ça passe encore quoi, vous voyez ce que je veux dire. Oh. 3-1-6-4-4-7. Bah, il est mieux. Apparemment de loin. Par contre, du coup, qu'est-ce que je vire? La rope? Non, la rope, ça peut être intéressant de la garder. La boule de neige. Et le gun? Le gun, est-ce que je peux l'équiper? On va virer ça, hop. Ok, bon. Ça donne une bonne grosse SMG. Ok. Apparemment, tu as des choses à vendre. Rien qui ne m'intéresse, cela dit. Donc, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, je reviendrai plus tard. Ici. Qu'est-ce que tu as à me vendre? Ah, il y avait les legs qui étaient avec, c'est dommage. C'est dommage. Knight, Voyager. Il avait l'armure complète, ça qui est chiant. Allez, je la prends parce que je suis un fan de tout ce qui est lore. Voilà, c'est dit. Hop, est-ce que je peux du coup mettre ça, imaginons, dans un autre truc d'objet? Non, je ne peux pas. Ah, le jeu est vilain. Je vais donc devoir virer un truc où j'ai par exemple ceci, voilà. Voilà, tant pis, je vire les 10 haches de lancer. Donc voilà, j'équipe ça comme ça, ok. Ce n'est pas grave, on est quand même bien full, hein, chers amis, hein. On est quand même bien full. Mais bon, on aura fait de la récolte, c'est cool. Une pomme rouge. Non, la pomme rouge, je vais la prendre. Je suis désolé, hein. La pomme, c'est la vie, hein, la pomme. De toute façon, je suis pratiquement affamé. Je dis bien pratiquement. Poulet cru, non, ça m'intéresse pas. La pomme rouge, je la prends. Merci. T'as un vendeur aussi? Ah non, d'accord, c'est le même vendeur, ok. Pas de soucis. Écoute, ah si, y a un truc à cuisiner là, non? Hop.
Ok. Et donc, est-ce que une fois que c'est cuisiné, c'est pas... Non, bah non. Ça allait être un petit peu trop beau si c'était capable d'être stocké, une... enfin, stacké, pardon, une fois cuisiné. Là, y a rien. Hop, ici, un autre truc de tech, donc c'est cool. Ici, y a pas le moindre coffre. Est-ce qu'il y a une goutte d'eau là-dedans seulement? Et comment je remonte une fois que j'ai... C'est là la véritable question. Comment je remonte? Bon, là, j'ai à part le... Ah, allez, parce que je suis un perfectionniste. Voilà, il n'y avait rien dedans. Et là, normalement aussi, je peux fouiller ce truc-là. Voilà, il n'y avait rien dedans. Et normalement, on est arrivé à l'autre côté du... Du village, ok. Bon. Boum! Ça prendra, tiens. Hop! On va essayer ensuite la SMG. Ouh. Mais c'est débile. Voilà. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Enfin, c'est un fusil d'assaut hein, à la base. Hein. Mais bon. Alors là, il y avait une occasion de tester. Ah, c'est bête, hein. Là, il y avait une occasion de tester, en fait, le... Ouais, je crois que ça ralentit un petit peu, mais je pense pas que ça va être utile en fait. Donc, excusez-moi, je pense qu'on arrive par contre à un endroit qui ressemble un petit peu trop au départ de la mission, enfin au départ de la zone. Ce qui par conséquent me conforte dans mon envie de... remonter sur le vaisseau, mais bon. Je trouve encore des petites choses comme ça, vous voyez. Oh, il y aurait bien un coffre là-dedans, non? Non, rien du tout? Bon, bah écoutez. Hop. Ah, mais c'est un vieux piège de la mort, en fait. Je suis stupide d'avoir plongé dedans. Je peux pas sauter pour remonter, en fait. C'est ça, le truc. Bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu, bon. Il y avait pas un coffre là? Si. T'as vu ça comme je l'ai vu? Bon, par contre, y'a rien d'intéressant dedans. Rien de véritablement intéressant. Par contre, si on arrive sur le début du truc, est-ce que ça vaut pas le coup qu'on remonte tout de suite sur le vaisseau quoi? Plus je crois qu'on y est vraiment tout de suite là. Ouais, c'est là que j'ai recommencé, qu'on a commencé la partie. Ok. Ah la vache, il a survécu. Ok, bon bah on remonte. Alors du coup, on a des armes un peu plus performantes. Est-ce que Dreadwing serait une une cible potentielle, potentiellement viable surtout? Telle est la question. J'ai tellement de bouffe du même style. C'est une tristesse. Hop. Il devrait pouvoir les rendre stackables dans des... On va garder ça. Hop. On va se soigner un petit coup. Et alors quelle heure il est? Ça fait à peu près 35 minutes que l'épisode dure. Est-ce qu'on se ferait pas Dreadwing? Allez, on est fou. Mission Dreadwing. C'est parti. On essaye. On essaye, chers amis. Il faut qu'on essaye. Ah, déjà là, là ça se fait mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, on va essayer le pistolet aussi. Ouf. Ce revolver. Aïe, par contre ils font toujours aussi mal. Hein. Ça fait mal. Boum. Ok.
Aïe. J'avoue qu'ils me font toujours aussi mal, hein, mais... C'est limite de la triche. C'est limite de la triche. Hop. Ok, ça devrait être faisable. Bon, j'aimerais bien voir les PV de ma cible. Aïe. Ok. On a dû passer. Ah, ils sont en bas, je suis con. Hop. Les PV à moi, comment ça se passe? Hop. Un petit peu de soin. Hop, j'en ai eu un en plus. Aïe. PV. Hop. J'avais pas vu l'autre gros truc. Hop. Ah la vache, il me fait quand même des dégâts faramineux. Hein. C'est pas pour employer Phara dans un univers où elle n'existe pas. Hein. Hop. Aïe. Ah mais non. Commence à être véritablement nombreux. Hop. On va essayer d'utiliser le pistolet. C'est pas celui-là que je veux toucher. Ah mais merde. Elle en fait repop un. Oh la vache. Je suis à deux de mourir. Je suis à deux de mourir, donc full régène là, chers amis. Ah la vache, il a anticipé mon mouvement. Aïe, aïe. Je me demandais si ça vaudrait pas le coup de faire comme ça en fait. Hop. Aïe. Hop. Ok, régène. J'ai plus suffisamment de régène, chers amis. Il aura fallu que je mette les... Ah, la vache. Il fait tellement mal. Ok. Oui. Je l'ai eu. Wouh. Eh ben ça aura pas été facile. Merde, j'avais gardé tous mes trucs sur moi. Fais chier. J'étais obligé de me séparer de certaines choses. Dommage. Dommage, j'étais trop stupide. J'ai été trop stupide.
Ah, j'ai juste battu, il m'a rien donné d'autre en fait. D'accord. Ok, bon, moi je pensais qu'il allait me donner autre chose. Ok, des pixels déjà, ça prie. Va chier, celui-là. Hop! Prends ça. Ça c'est fait. Ok. Ce qui nous fait déjà quelques pixels, on peut pas nier le compte, on peut pas le nier hein. Bon bah on remonte du coup. Living Dismission. Bah non. Non, je veux pas me téléporter. Enfin le truc c'est que je veux juste. Enfin, je l'ai battu quoi. Enfin. Non? Bizarre. Ok, alors attendez du coup. Du coup. Ah oui, mais dans ce cas-là, je peux. Ah oui, d'accord, faut que je reprenne le téléport, j'imagine. Faut que je reprenne le téléporteur. Je pense. On va soigner un gros coup, sur le principe. Normalement, j'ai du PQ dans le coin. Faut juste le trouver. Sauf qu'il a été mis dans le rayon bouffe. Rayon bouffe. Est-ce que je peux être con des fois? Je vois pas le PQ. Là. Hop, voilà. Ok. On se téléporte et on est bon. Ça aura pas été sans difficulté. faut l'admettre, hein. J'aimerais quand même retourner sur le vaisseau avant. Par principe, j'aimerais me vider un petit peu mon inventaire avant d'aller voir quelqu'un qui pourra potentiellement donner des objets. Ce serait peut-être sympa. Ok, il faudra vraiment que je me trouve une bibliothèque. De toute façon, il faut que je me trouve de la place hein, de base. Ça va vraiment être compliqué. On a vraiment pas de place dans le début. Hein. J'imagine que c'est parce qu'il aurait fallu que je fasse une maison dans laquelle je rangerais plein de trucs. Ça c'est fermé, d'accord. Hop, yo. Tu as réussi à t'occuper de lui, pour moi. Merci, maintenant je suis de retour dans le business. Viens me parler si tu as besoin d'un doublon pour engager un pingouin, un mercenaire. D'accord. Si tu as un doublon ou si tu as besoin d'un doublon, je vois pas trop vu. Tech card, d'accord. Voilà. Doublon, il faut 3 diamants pour avoir un doublon et ensuite engager un mercenaire, j'imagine. Ok. Bon, bah au moins le Big Easy est en marche, ça c'est déjà cool. Là, ce n'est pas ouvert parce que du coup, je vais essayer de voir à chacune des auto chip, d'accord. Ok, là c'est réparation. Ok, why not. Bah écoutez, on va se rentrer je pense sur le vaisseau. Voilà. Et il va falloir qu'on commence à se trouver quelques mecs dans le vaisseau pour pouvoir l'améliorer. Parce qu'il me semble que c'est comme ça à la base qu'on améliore le vaisseau, c'est en trouvant des mecs. Après à force de trouver des mecs il va vouloir nous agrandir le vaisseau parce que voilà il faut qu'on ait plus de place. Et ainsi de suite, il me semble que c'est ça normalement, hein. Donc ça pourrait être intéressant de commencer à trouver des mecs. Bon, et bien écoutez chers amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, ne pas trouver le lien dans la barrière de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yoop.